Disclaimer! Disclaimer! L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération. Moi, je préfère consommer avec excès, mais bon, c'est comme vous voulez, hein. C'est qui, excès? Waouh! T'as l'air aussi frais que moi. Oh merde, on recommence là, c'est vrai. Ah, j'avais pas vu que t'avais amené la deuxième bouteille. T'as acheté deux bouteilles? Ouais! Quand on est allé au Monop, t'as acheté deux bouteilles. Bah ouais! J'en ai vu qu'une. Eh ben, c'est marrant parce que sobre t'en as vu qu'une et maintenant que t'es un peu bourré t'en vois une deuxième. Y'a combien de bouteilles? Voilà. J'en déduis qu'on a commencé, hein. Ouais. Ouais, hein. Intro et de quel qualité. Commencement. Bon, je vais aller chasser de la potion. Oui. Mais j'ai pas assez de thunes, faut que je... Oh merde. Ah merde. Bon du coup c'est commencé ou... Non, c'est pas commencé. Là, pour le coup, on va farmer. Hein, là, ouais. J'enregistre juste pour le fun, mais on va farmer parce un peu. Parce que, au final, on aime le fun. Oh, bah attends, le fun, c'est marrant. Quand t'as dit au bâton, j'ai compris au bâton. au bâton. Au bâton rouge. Au bâton rouge. Ah, j'adore ça. De toute façon, les Américains parlent français. Ah, c'est trop drôle. Quand j'étais à Seattle, il y avait un je sais pas comment on appelle ça, mais en gros, un endroit où tu vas voir des stripteaseuses, quoi. Ouais. Donc, un endroit où on va voir des stripteaseuses, j'ai pas le nom. Strip club. Oui. C'est bien, hein. T'as fait des études, toi. Un club de striptease. Oui. Et bah, ça s'appelait le déjà vu. Ah. Et les gens, ils disaient déjà vu. Et j'étais genre, non. Ça veut pas dire la même chose. Et puis surtout, c'est pas comme ça que ça se dit. Oui. Oh là là. Et ce qui était trop drôle. Alors que déjà vous, c'est plus genre, t'es chez toi tranquille et bon, tout, t'es pépouze en. C'est déjà vous qui êtes là. C'est ça. T'es chez toi pépouze en survêt. Et là, t'as quelqu'un qui arrive. Mais ça se dit pas en plus. Bah non, justement, c'est juste dans ce cas de figure ça que. Non, mais même dans ce cas de figure, c'est pas français. Déjà vous. Déjà vous. Déjà mais, vous. Mais si, parce que tu les attendais pour dîner, ils sont arrivés en avance. Ouais, mais je suis pas sûre que la tournure déjà vous. Ouais, c'est plutôt genre, oh putain de sa race. Oui, c'est ce que dirait un français normal. Mais qu'est-ce que vous faites chez moi, bande de connards? Ouais, rentrez dans votre pays, la France. Ah bah, du coup, ça va, en fait. Rentrez dans votre appart. Ouais, voilà. Mais ce qui m'a trop fait rire, c'est quand j'avais vu l'Américain avec qui j'ai discuté, qui était fan de trucs français et tout. Aïe. Je lui ai dit que je faisais des efforts pour essayer de bien parler anglais, enfin, américain. Ouais, s'il te plaît. Mais que j'avais un accent un peu pourri. Il fait, mais c'est ça que j'aime avec vous, les Français. Vous en avez rien à foutre de votre accent. Vas-y, parle sans ton accent. C'est pas qu'on a rien à foutre, c'est que... Je lui ai dit qu'on était juste mauvais. Mais... Oui, voilà. Mais c'est pas grave, j'ai entretenu un peu le mystère, tu vois. Et pour lui, la France, c'était sexy, tu vois. Ah bah, et ouais. Il était en mode, ouais, les Français, vous allez make America sexy again, ça m'a fait rire. Et quand il m'a dit... Il t'a dit ça alors que toi, et après, t'es genre plan sur toi en train de chercher des crottes de nez, genre, hein, quoi. Non, mais limite, en plus, j'étais habillée comme maintenant, c'est-à-dire j'avais un vieux jean dégueulasse. Un gros polaire, genre que tu mets en Bretagne parce que juste t'as froid. J'étais pas maquillée, j'avais mes grosses lunettes et mes cheveux en pétard, j'étais genre... Ah ouais, c'est moi qui va mettre la France sexy again. Pas sûr. Pas bah, sûr, cousin. Bro. Lola is the new sexy. Oh, ouais. Et, hein. Ouais. Lola is the new sexy, j'aime bien. Je vais faire des posters. Des posters. Des posters. Mais non, il a dit, ouais, vas-y, parle sans ton accent. Alors du coup, j'ai fait, hello, my name is Lola, I am really happy to see you. Il fait, oh my god, it's so sexy, on dirait Brigitte Bardot. C'est genre, on dirait Brigitte Bardot. Et c'est genre, Brigitte Bardot, pendant la nouvelle vague. Hein. Ouais, attention, on précise bien, parce que... Hein... Parce que aujourd'hui, elle est moche à l'intérieur, parce qu'elle dit des choses de droite, très à droite. Boum. Oh là... Clash Brigitte Bardot. Et ouais, et la façon dont t'as présenté ça en plus, elle est moche à l'intérieur parce que elle dit des choses. Oui, elle dit des choses. Elle est moche à l'intérieur, moi je l'ai vue. Ouais. Après, voilà. Moi j'aime pas les gens qui disent, oh bah vous avez vu la gueule de Brigitte Bardot aujourd'hui. Taisez-vous. C'est une femme. Mais taisez-vous. C'est juste une femme, elle a un peu vieilli. Je veux dire, tu peux pas attendre les mêmes standards de beauté d'une meuf jeune et d'une meuf âgée. Je veux dire, on sait pas. Oui, mais dire... les gens ont tellement été habitués à elle belle que genre ils la voient maintenant. Alors elle belle pas comme dans la CDC. Marrant. Et
Et donc maintenant ils la voient plus âgée, ils sont là, oh bah dis donc, elle sait pas, genre, oh bah moi je préfère avant parce que t'es plus jolie avant, maintenant elle ressemble à... Alors que quand tu vieillis, bah c'est normal que t'as des rides, t'es d'accord? Oui, mais comme c'est une actrice, elle n'a pas à vieillir, elle ne peut pas vieillir. Et moi je trouve ça triste, arrêtez de dire, oh lol, Brigitte Bardot elle est moche, mais taisez-vous! Vous, on verra vous quand vous serez vieux. Oh ouais, comme ça, quand vous serez vieux, vous aurez pas de rides. Oh, vous aurez pas pris un petit peu de poids parce que vos hormones ont changé. Non, et parce bah, que... tiens. Non, voilà. Parce que, en fait, ce qu'elle aurait dû faire... C'est le problème de tous les beaux et les beaux acteurs et les belles actrices, c'est qu'ils doivent mourir jeunes. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai prévu, hein. Je dis pas, c'est 45 ans, bon, à quoi bon? 45 ans? Oui. Oh, t'es pleine d'espoir encore, toi. C'est moi, vrai? Moi, j'aurais dit 30. T'as vu comment je picole? Fini pour moi. Ah, mais tu rigoles, moi, c'est... Bien avant, j'avais parié sur 30, parce que, justement, je picolais, mais encore plus avant. Non, non, toi, t'es bien. Pour ton âge, un vieux crouton. Je crois qu'à un moment, il y avait même un Toubib qui m'avait dit un truc, genre, qui m'avait fait une analogie chelou. Genre... Une analogie? Ouais, non. Rien à voir avec... Avec les analgésiques, non. Non, ni les anales... Non. Du bac. Non. Anal comme anus. Ah, pardon, oui. Excuse-moi, j'avais pas du tout fait le... J'essayais pas du tout de te sauver en essayant de trouver autre chose. Tu m'énerves. Tu m'énerves, tu me respectes pas. Mais si, oh. Mais donc oui, ton... Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit sur ton anus, ton médecin? Pas sur mon anus. Enfin, non. Il t'a dit un truc qui est resté dans les annales. Oui, voilà. Il m'a dit votre corps est un temple. Et j'ai fait, ah, c'est cool. Mais il me fait, ouais, le temple d'Apollon. Ah, il est abîmé maintenant, non? Bah, il est... Dans l'Iliade, le temple d'Apollon, c'est le temple qui est juste au pied de Troie, la ville. Ah, shit. Et donc, c'est le premier truc que les... c'est bizarre que ton médecin te dit ça. Ouais, il me dit, ouais, vous êtes le temple d'Apollon. Ah, c'est cool. Après le passage des Hélènes. Ah. Mais c'est bizarre de dire ça. Ouais, le mec qui fait la blague sur la santé des gens, c'est le pire docteur. Non, mais faut dire que genre on se marre bien avec mon docteur, tu vois, donc on est un petit on est un petit peu blow. Ça tu me vois. Fait penser à, tu sais, le docteur de Arrested Development. Il fait, oui. Écoutez, je pense que votre père n'en a plus pour longtemps. Avant de sortir de l'hôpital. Oui, ouais. Tu sais, tu fais des montagnes russes. C'est dans Arrested... Oui, c'est dans Arrested Development, ouais, ça. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que moi, je me fais Matthew Mother en ce moment. Et, non, c'est pas dans la remette, c'est dans... Et il y a un tweet qui fait à peu près la même chose. Ah, mais moi, ça me fait rire, mais en vrai, tu veux pas que quelqu'un soit comme ça. C'est horrible. C'est horrible, mais dans les séries, c'est marrant. Mais non, moi, mes docteurs... Ma docteure traitante, I don't know. Mais ma médecin traitante, eh ben, elle est gentille. Bref, la meuf s'occupe de moi. Ouais. Une fois, je lui ai dit... Ma mécanicienne. Exactement. Un jour, j'ai dit, madame, j'ai une boule derrière l'oreille, c'est bizarre. Elle a fait, non. Elle fait, d'accord. C'est pas bizarre. Et puis, bah, du coup, j'ai payé 25 euros. Merci. Cette anecdote, là. Putain, mec, cet épisode. C'est l'épisode de l'alcoolémie. Je forme depuis tout à l'heure, je trouve pas ce que... Mais je... on était pas censés vraiment enregistrer, mais non, finalement... Non, finalement, je pense qu'on est parti sur un épisode. Est-ce que c'est un bonus ou quoi? Ouais. C'est quoi ça? Je qu'est-ce sais qu'on pas. Est en train de je faire? Je pense que c'est un épisode poubelle où on farme et on est que de la merde. Mais faut le garder quelque part. Ah ouais, t'as bien bu, toi. Mais c'est celui qui dit qu'il y est. Non, mais tu t'es vu quand t'as bu. Miroir, miroir, tout ce que tu dis... Oh, j'ai pépé. Qui a bu comme les comme le magasin de vêtements. Oh putain. Et t'achètes que des vêtements, mais de gens qui ont pas de goût vraiment esthétique, tu vois. Oh, je suis allé m'acheter des fringues chez Qui a bu. Oh bah j'ai pris une cravate verte et une chemise rouge. Le ah fameux duo gagnant. Oui. Oh my god. Et d'ailleurs, Qui a bu boira. Quoi? Qui a bu boira. Tu connais pas l'expression qui a vu Vera? Non. Non, c'est qui a... Merde, je sais plus ce que c'est l'expression. Bah alors du coup, bah, je suis très contente que tu m'aies partagé ça. c'est comme il y avait un épisode aussi, tu m'avais balancé une expression. Et ah, je oui? connaissais absolument pas. Ah, gros gens comme devant. Oui. Oui. Bah là, on se retrouve un peu gros gens comme devant. Heureusement que tu l'as retrouvé parce que je t'assure, j'étais là genre... Je m'en souviens, mais absolument pas. L'autre fois, j'ai fait un pet de cerveau. On était à table avec mes parents et
souvent, comme je reviens pas des masses chez mes parents, sur un petit apéro, tranquille. Tranquille, oui. Au KLM. Au KLM, à la fraîche. Avec mes darons, t'as vu. Et ils prennent des apéricubes. Et pas des américubes qui sont. avec des vrais morceaux de liberté dedans. Oui, voilà. Oh, ah, la liberté est mon préféré. Merde, il me fait 68 rubis, fais chier. Oh. Et ma sœur a fait, ouais, comment s'appelle le joueur de foot, nanana. Et c'était en gros un vieux joueur de foot français retraité. J'en ai marre. Ben alors, j'ai essayé, j'en ai marre, mais il est pas retraité, du coup ça marche pas. Non. Et impossible de retrouver le gars dont je voulais parler. Et c'était même pas la réponse. Et ben non, mais c'était Jean-Pierre Papin. Et j'ai fait une fixette sur Jean-Pierre Papin, j'ai fait, mais il y a un P dedans. Mais je suis sûre que je peux retrouver. Et mais j'ai pas saigné. Mais 30 minutes, putain, mais c'est quoi? Alors, c'est quoi Jean... Ah, Jean-Pierre Papin. Alors, tu vas... Enfin, genre, je vais te montrer une fois de plus mes grandes connaissances, ouais, en matière de sport. Ouais. C'était pas un homme poétique aussi, Jean-Pierre Papin? Mais non, c'était Pépin le Bref. Pépin le Bref. Pépin le Bref. Jean-Pierre Pépin. Oh, mais non. Jean-Pierre Pépin le Bref. Jean-Pierre Pépin, la nouvelle star du film de... Mais non, Papin, de... mais... Ouais, y a de Jean-Pierre Jeunet. Oui, Jean-Pierre Jeunet, parce qu'il ne mangeait pas pendant quelques jours, et après il disait, oh, bah, il est long, Jean-Pierre Jeunet. Il a jamais mangé, ça fait. Bah, non. Et pendant que Jean-Pierre Jeunet, et ben Charles traînait. Mais tu confonds Michel Sapin. C'était l'ancien ministre de l'économie. Oui, ça oui, ça je sais. Avec les lunettes. Alors, ça, pour il était un petit peu chauve. Tu me demandes de le reconnaître dans une foule, je saurais pas te dire. Il était un petit peu gros. Et il y a pas plein de gens qui faisaient des blagues sur lui, du genre, oui, oh, disons que ça sent le sapin. Eh, Michel Sapin et Noël ma mère. Et nous aurait fait la fête ensemble. Parce qu'il a une moustache. Et il a dit, quoi? Ouais, non. D'ailleurs, il n'avait pas reçu une médaille, Sapin? Pourquoi tu veux dire que personne n'a décoré le sapin? Oh, oh oui. Je dis oui. La blague de la soirée. Ah ouais, bien joué, mon gars. Merci, Magie. Je suis fier de toi. Oh, écoute. Vieille branche. Est-ce que je te l'avais raconté, cette histoire de vieille branche? De quoi? De l'expression vieille branche, pourquoi ça me fait autant rire? Non. Ah ouais? Je sais plus. Parce qu'il y avait une année, mon père m'avait envoyé pour le nouvel an. Ouais. Ah, il m'a envoyé un texto. Bonne année vieille branche. C'est ça quoi? Non mais ça c'est trop fort. Ça c'est génial. Bonne année vieille branche. Ah mais ça c'est génial. Mais c'est complètement. Enfin je veux dire. C'est trop marrant. Quel père dit ça à son gosse? Vieille branche. Attends. Ouais. Et puis branche qui mousse. Namaste. Non c'est pas ça. Où est-ce que je suis? Parce que je tourne en rond depuis tout à l'heure, mais je crois que je me suis vachement éloigné de. Ah non, c'est bon. Toi t'es dans le désert là. Ah non, je suis en 2003. Je suis en 2017. Je suis en 2003. C'est la boulette. C'était pas 2003 ça. Justement, je vais te poser la question, mais j'allais aller avec. C'est au moins 2006, hein? 2005. Attends, 2003, j'étais quoi en CM1? J'étais en CM1 ça. 2003, j'étais où? Attends. Je me rappelle que 2002-2003, c'était le passage c'est bon, à l'euro, tu vois. On peut commencer l'épisode. Ah, c'est vrai? Bon, on va arrêter. Hein? On peut commencer l'épisode, regarde, je suis arrivé à l'endroit. Limite, où ce jour-là, on postera deux épisodes pour s'excuser de celui-là parce que. Oh non, merde. Surtout que je me souviens même pas en fait à quel moment on a vraiment commencé, donc je sais pas si on a assez de temps ou pas dans l'épisode. Mais je sais pas, moi. Viens, on continue encore 2-3 minutes. Et... Allez, ok. Okay. Mais 2-3 minutes. Okay, mais non, pardon. Mais j'ai dit, on reprend quand on est avec Goma. Ah oui, bah attends, je vais aller à Goma. Ouais, je vais aller à Goma. Parce que en fait, j'ai fait une erreur sur ma feuille au crayon de papier. Du coup. Je suis un gomaphobe. J'ai gom... Non. Ma copine a fait une erreur sur sa feuille au crayon de papier, du coup... Je la goma. Elle goma. Voilà. Voilà, voilà. Retournons là-bas. Essayons de créer... Excellent. Essayons de nous créer une dignité artificielle. Après super cette blague... Oh putain, voilà, je repense à un truc que j'ai voulu initier avec Adrien et comme avec Adrien on est passé trop du Coca Light à chaque fois. Du Coca Light, c'est marrant. Et ben voilà, un truc que je veux rendre hype maintenant, c'est les sound effects de Croc. Croc? Mais oui, mais je t'en avais parlé ça. Mais j'ai oublié. Tu vois, c'est tu quoi vois qui Croc? C'est Croc? Non. Mais si, le petit crocodile sur PS1. Ah mais moi j'avais pas de PlayStation. Oh bah voilà tout de suite. Bah non, oui, parce qu'à la fin absolument qu'on joue à Croc. Et faut bah... qu'on joue à Croc et The Go Boss. Alors je m'adresse au PJ sobre du futur.
parce que PJ ivre aura oublié. Croc, PS1. Oh non, t'inquiète pas, ça j'aurais pas oublié que tu connais pas Croc de Gobos. On est contre Goma. Eh ouais, putain. Goma pâté. Le cinéma. C'est que pour les araignées. C'est que. Ils vont se faire une toile. Humour 2.0, qu'est-ce que tu vas faire? En un seul mot. J'ai que deux rubis. Mec, t'es pas sérieux. J'ai plus qu'une flèche. Non mais. Attends, mais. En plus, je vais mourir. Non mais si tu te soignes et que t'as pas de flèche, ça sert à rien. Vrai. Tu peux pas lui mettre du feu dans les yeux? Du feu dans les yeux. Oh oui. Les yeux d'araignée. Les yeux dans les feux. Des bleus. Dans les yeux. Des bleus. Du bleu dans les yeux, ouais. Ouais, c'est une chanson pour dénoncer l'abus... D'alcool. Et dangereux pour la santé. Tu sais que quand j'étais petite, je croyais que quand on disait l'abus d'alcool, c'était là, plus loin, bu. Parce que je pensais que c'était une conjugaison bizarre du verbe boire. Si l'abus d'alcool est dangereux. Si on l'a bu, l'alcool est dangereux pour la santé. Oui, c'est ça, tu vois. Du coup, j'avais pas compris. Pourquoi j'ai pris cet accent pour dire ça, je ne sais pas. Je suis désolée. Tu sais, un truc qui me fait rire. Mais t'as ri avant. Les proutes de chien. Alors oui, mais pas que. Ah. Et les queues de chien, mais pas que. Mais pas les zizi de chien, ça me dégoûte un peu. Ouais, ça fait un peu rouge à lèvres. Mais ça n'a. Trouve pas ? On dirait des tubes de rouge à lèvres. Non. Ça dépend. Enfin, tu sais, des chiens. Enfin, bref. Sauf si t'achètes des rouges à lèvres en forme de bite de chien. Mais c'est un autre débat. Oui, pardon. Mais des fois, quand mes parents viennent sur Paris, ils prennent les transports en commun. Et mon père, il fait la même blague à chaque fois. Tu sais, il y a marqué si les gens abusent de la sonnette d'alarme. Ils peuvent recevoir une amende. Tu vois, genre si tu tires la sonnette d'alarme, ça arrête tout, tu peux avoir une amende. Et mon père, il fait, bah, juste une fois pour voir, c'est pas de l'abus. Et j'ai fait, oui, c'est pas faux, techniquement, mais il a pas tort. Voilà, il fait, bah, une fois, c'est pas de l'abus. Ouais, mais alors, je pense pas que ce soit une fois par personne, c'est juste une fois, ça. Genre, dans le mois. C'est ça, mais bon. Et ça me fait rire. Papa, si tu m'écoutes, eh ben, arrête de faire cette blague. J'ai vu, maman. C'est une blague de papa, il faut qu'il la fasse. Ouais, mais il est marrant, mon papa. Ouais, il est moi, j'aime bien ton papa. Ouais, il est sympa. Et d'ailleurs... Il est sympa, bon, papa. Je dis ça sur les alcooliques, je m'en fous. Mes parents sont en mode, ah, peut-être qu'un de ces quatre, on va venir te passer un coucou sur Paris. Je fais, mais bien sûr. Et ma mère, elle fait pour rigoler, mais en même temps, pas pour rigoler, tu sais, c'est genre, je fais genre, c'est pour rigoler, mais pour agressif. Prendre non, pour prendre la température. Fait, ah, puis on pourra aller se boire un verre avec Adrien et PJ. Ouais. Et moi j'ai fait, mais trop bien, ça serait trop cool. Et ma mère a fait, oh mais non, attends, nous on est vieux et tout, on va pas sortir avec des jeunes. J'ai fait, oh mais. Mais PJ et Adrien, mais vous vous rendez pas compte à quel point ils vous kiffent. Coco et GG, c'est quand vous voulez, bien sûr. Mais oui. Alors après, j'allais dire, le PJ sobre ne. Enfin, vous dira sûrement qu'il ne. Il ne. Va sûrement pas cautionner ce que veut dire le PJ bourré, donc je prévois de base. Ouais, dans le doute, mais. Voilà. Mais franchement, ça serait trop marrant. T'imagines une sortie au bar avec mes parents? Ça serait trop marrant. Trop cool. Ça serait trop mais cool. Mais grave, moi je suis chaud. Chaud de ouf. Mon papa et maman, vous m'écoutez, je le sais. Hein? Vous êtes là derrière vos écrans. Likez déjà, ça serait gentil. Abonnez-vous si j'ai pas fait. Et on se voit sur Paris, on va se faire un petit bar. Je connais des petits coins sympas. Avec grand plaisir. Non mais ça serait trop marrant. Mais grave. Bon, depuis tout à l'heure, je fais ça, je tourne en rond, je fais rien, mais viens, on arrête l'épisode et puis on. Mais il est trop long cet épisode! Ouais, de toute façon, je vais charcuter dedans, je pense. Ça va être un bonus. Ça va c'est être un bonus, truc, voilà. Oui, hein, oui. Voilà. Oui. Ça va être l'épisode bis ou terre, tu sais. Terre. Genre le. Non, tu sais, genre. Ou l'épisode crème machin. Je sais pas quel épisode, le numéro de l'épisode, mais ce sera genre. Le 9-3 quarts. Tu vois, ah, c'est le truc entre deux épisodes, tu vois. Ouais, le demi. Ouais. Parce que les demi, les gens. Moi, les demi, les alcooliques. Hein? Qu'est-ce quand tu prends un demi? Ah ouais! Non, moi j'étais sur Jacques Demi. Ah, bah pas du tout. Les parapluies de Cherbourg, mmh. Les demoiselles de Rochefort. Ouais, ouais. La sauce alsacienne. Mais il est pas sorti. Le bagel saumon fumé. Enfin, tu vois, genre, c'est ah trucs oui, comme ça. Ah oui, son plus grand film. Non, bah ça, le bagel saumon fumé. Hein, tu nous écoutes, Jacques Demi, s'il est pas mort. Il est mort, Jacques Demi. Ouais, il nous écoute. Hein. Il est mort, Jacques Demi, le bagel saumon fumé. J'ai essayé de parler aux fantômes, mais c'est peut-être un peu offensant. Je vais arrêter. J'en peux plus. Il faut arrêter tout ça. Ok, vas-y, j'arrête. Stop. Ok. Stop.